Versailles. Incarnation de la toute-puissance du roi qui l'a bâti, Louis XIV. En marge de ce somptueux palais se dresse un étonnant village. Un hameau rustique qui semble abandonné et n'a jamais été habité. Marie-Antoinette l'avait fait construire en lisière de son domaine, dans le paradis secret qu'elle s'était créé pour fuir les contraintes de la cour. Elle pensait y trouver le bonheur. Un sentiment interdit pour une reine de France. Après son départ, les lieux ont souffert des ravages de l'histoire et du temps. Rongé par l'humidité et la poussière, le hameau aurait dû disparaître. Mais le rêve de la reine a survécu. Plus de deux siècles après la Révolution, des artisans d'exception, héritiers d'un savoir-faire ancestral, restaurent l'édifice central, la maison de la reine, pour lui rendre sa splendeur d'origine. Marie-Antoinette transforma Versailles, et Versailles transforma Marie-Antoinette. Le hameau fut sa dernière création. À seulement 3 km du palais, mais pour Marie-Antoinette, ce fut un voyage de 19 ans. Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté. Non. En ce matin d'automne 1789, Marie-Antoinette apprend qu'une horde de 6000 femmes en colère marche sur le palais pour réclamer du pain. En remontant vers le château, c'est aussi le temps qu'elle remonte. Il n'y a pas si longtemps, la quête du bonheur semblait encore possible, ici, loin de la cour et de la politique. La reine ne le sait pas encore, mais elle vit ses derniers moments à Versailles. Elle se souvient, comme si c'était hier, de cet instant où elle a franchi pour la première fois la grille dorée du château, 19 ans plus tôt. Elle n'avait alors que 14 ans. Elle découvre, intimidée, ce décor bien plus luxueux et plus solennel que celui des palais de Vienne où elle a grandi. Marie-Antoinette vient de quitter son pays et sa famille à contre-cœur pour épouser le dauphin Louis-Auguste, héritier du trône de France, un jeune homme de 15 ans timide et gauche. Ils ne se connaissent pas, mais peu importe. Ils servent de prétexte au vrai mariage. Une alliance politique arrangée par la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice d'Autriche, avec le roi de France. Marie-Thérèse et Louis XV recomposent ainsi l'échiquier de l'Europe. Ce mariage franco-autrichien aboutit à ce qu'on a appelé le renversement des alliances, c'est-à-dire que d'ennemis, je dirais presque héréditaire, mais en tout cas traditionnel de la France, l'Autriche des Habsbourg devient son allié. Privée de son cocon familial, la jeune princesse se retrouve seule, plongée dans l'atmosphère glacée de Versailles.
Il faut imaginer Marie-Antoinette découvrant Versailles. Elle arrive dans un château qui a plus de 100 ans et dont le décor a lui aussi plus de 100 ans. Imaginez que vous logez chez vos arrière-grands-parents. La décoration n'a pas tellement évolué depuis le temps de Louis XIV. Au cours du siècle précédent, Versailles était l'ultime symbole de la grandeur de la monarchie absolue. Louis XIV avait conçu son palais comme la vitrine de son immense fortune et de son pouvoir sans limite. Traumatisé par les révoltes des nobles qui ont troublé son enfance, Louis XIV avait installé la cour à Versailles pour la garder sous son contrôle. Dans ce décor de dorure et de démesure, tout tourne autour du roi qui met en scène son pouvoir absolu. Chaque moment de sa vie est réglé par un cérémonial. Quelques courtisans ont le privilège suprême, celui d'accéder au corps royal. Versailles est un gigantesque décor à la gloire des Bourbons. Marie-Antoinette l'a immédiatement détesté. Versailles est un théâtre où chacun connaît son rôle, excepté la dauphine. Elle en découvre les règles implacables dès le premier soir, lors du cérémonial de la nuit de noces, qui se déroule en public, pour vérifier que le dauphin et la dauphine partagent bien le même lit. Les deux époux vont se retrouver installés dans le lit. Tous les rideaux du lit sont ouverts. Toute la cour va défiler avec, vous imaginez, ces deux jeunes gens couchés côte à côte. Après, on va officiellement leur souhaiter bonne nuit, fermer les rideaux. On n'espionne pas vraiment, mais on sait ce qui se passe. Marie-Antoinette est choquée et humiliée. Elle n'a connu que l'étiquette de la cour d'Autriche, qui est beaucoup plus souple. Elle découvre qu'à Versailles, la vie privée n'existe pas pour les membres de la famille royale. Pour Marie-Antoinette, cela signifie qu'elle est entourée du réveil au coucher par tout un cortège de courtisans, dont environ 28 femmes, issues de la haute noblesse et de la bourgeoisie locale, qui sont entièrement à ses petits soins. Les dames d'honneur sont désignées par le roi. Marie-Antoinette n'a pas la liberté de choisir elle-même les personnes à son service. Tous les moments de sa journée sont fixés à l'avance, hein, le lever, la toilette, l'habillement, le dîner, le souper, le coucher, avec des horaires fixés à l'avance, hein, comme des horaires de spectacle. Et ils sont réglés aussi comme de véritables ballets auxquels assistent les courtisans selon leur rang. Et le moment sans doute le plus célèbre, parce qu'il a été très bien décrit par Madame Campan, sa femme de chambre, c'est le moment de l'habillement de la reine. Et elle nous décrit une Marie-Antoinette au milieu de cette nuée de courtisans, avec la duchesse qui lui passe la chemise par la manche droite, l'autre par la manche gauche. Soudain, on gratte à la porte, c'est une princesse qui entre, et comme elle a préséance sur la duchesse, eh bien, on doit tout recommencer. Et on a Marie-Antoinette, eh bien, on est en plein hiver, qui grelotte et s'impatiente devant ce ballet interminable. Tout au palais est régi par un code strict et très subtil. Les habits portés par les courtisans et par les membres de la famille royale n'échappent pas à cette règle. Marie-Antoinette se rebelle. Son premier geste est de se débarrasser du grand corps, un corset trop serré et contraignant que seules les princesses royales sont autorisées à porter. En refusant de porter le grand corps, elle provoque un sérieux incident diplomatique. Les femmes de la cour vivent comme une insulte le fait que leur future reine ne veuille pas porter ce vêtement, synonyme de privilège suprême. Cette étiquette, elle en sous-estime l'importance. Et ça, c'est une grave erreur de jugement de sa part. Parce que derrière chaque petit privilège se cache un courtisan, et donc ce mépris de l'étiquette peu à peu va cristalliser d'abord la jalousie, les ressentiments, et puis ensuite la haine. Depuis Vienne, Marie-Thérèse comprend le danger.
cette hostilité au sein de la cour est une menace pour l'Alliance. Marie-Thérèse demande au comte Mercier-Argenteau, qui est son ambassadeur en France, eh bien, de lui rapporter le moindre fait et geste de sa fille par le biais de rapports secrets. L'impératrice adresse aussi à sa fille des lettres l'exhortant à adopter un comportement plus responsable. Ma chère fille, la femme est soumise en tout à son mari et ne doit avoir aucune occupation que de lui plaire et de faire ses volontés. Quant au roi, aimez-le, soyez-lui soumise, tâchez de deviner ses pensées. En tant que jeune dauphine, Marie-Antoinette est pratiquement à la même enseigne que tous les autres courtisans de Versailles. C'est-à-dire que sa survie, son prestige, mais aussi sa promotion à la cour, dépendent de sa capacité à gagner les faveurs du roi. Souhaitant se rapprocher du roi Louis XV et de son mari, la dauphine apprend l'équitation pour les suivre à la chasse à cour. L'usage veut que les femmes de haute naissance montent en Amazone, mais Marie-Antoinette a décidé de monter à cheval à Califourchon. Presque tous les rois de France sont représentés à cheval, mais c'est très rare pour une reine, de surcroît pour une future reine. Surtout au galop et à Califourchon. Elle commande un portrait d'elle montant à cheval dans une position semblable aux plus célèbres portraits équestres de Louis XIV. En s'identifiant à cette image d'un pouvoir royal masculin, Marie-Antoinette semble suggérer que c'est elle qui porte la culotte dans son couple et non pas le médiocre Louis XVI. En coulisses, les rumeurs vont bon train dans les kilomètres de couloirs de Versailles. Il se murmure que la dauphine autrichienne dominerait son mari, l'héritier du trône. Insupportable. Marie-Antoinette n'a que faire des commérages de ses courtisans surannés qu'elle juge ennuyeux et trop vieux, à l'image de ses tantes, les deux filles de Louis XV qu'elle surnomme les siècles. Marie-Antoinette, eh bien, qui est une reine sincère, elle va vouloir eh bien, des amitiés sincères. C'est-à-dire qu'elle va vouloir faire prévaloir les sentiments ou la qualité de la personne sur l'ordre de préséance. Et donc, elle va se choisir des amis de son âge, des jeunes gens légers, amusants, qu'on va appeler alors, sa coterie, précisément la société de la reine. La première grande amie de Marie-Antoinette est la princesse de Lamballe. Une douce et belle jeune veuve issue de la maison de Savoie. Le frère cadet du dauphin, le comte d'Artois, partage avec la dauphine un goût immodéré pour la fête et l'accompagne partout. La comtesse de Polignac, bien qu'issue d'une noblesse de province désargentée, séduit la dauphine par sa vivacité d'esprit. Tous adorent Paris, où ils s'étourdissent de plaisir et fantaisie loin des rigueurs de Versailles. Leur expédition nocturne favorite est de se rendre au bal masqué de l'opéra. Elle sort tous les soirs au bal de l'opéra. Tous les soirs. Donc elle passe toute la nuit à Paris et rentre à Versailles à 7h du matin, dort quelques heures, se rend à la messe, prend part au grand couvert, puis se prépare à nouveau pour le soir suivant. C'était juste une adolescente normale qui ne faisait rien de vraiment choquant. Ce que Marie-Antoinette apprécie le plus dans ses bals, c'est évidemment l'incognito, de se glisser dans la peau d'une autre ou de se mêler à certaines conversations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec son petit domino noir, dès qu'elle entre dans la salle de bal, évidemment tout le monde la reconnaît, mais tout le monde feint de ne pas la reconnaître pour lui faire plaisir. Un soir de janvier 1774, un jeune étudiant suédois s'approche de Marie-Antoinette. Il ne la reconnaît pas et plaisante avec elle. Pendant quelques instants, elle oublie Versailles et se libère de son rôle de dauphine. Axel de Fersen. Et vous ? Venez me voir à Versailles. À
Axel de Fersen est un personnage particulièrement romantique. C'est un comte suédois, fringant, riche, et il est étranger. Il s'intègre donc parfaitement au cercle des amis intimes de Marie-Antoinette. Il écrit dans son journal : Madame la Dauphine me parla longtemps, sans que je la reconnaisse. Enfin, quand elle se fit connaître, tout le monde s'empressa autour d'elle, et elle se retira dans une loge. À 3 heures, je quittai le bal. Quelques semaines plus tard, Fersen quitte la France. Mais une petite étincelle s'est allumée dans leur cœur. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt à Versailles, emporté par la petite vérole. Un règne décrié de 59 ans s'achève. L'aube d'une nouvelle ère se dessine. Pour 20 millions de Français, tous les espoirs d'un avenir meilleur reposent sur l'avènement du jeune couple royal. Marie-Antoinette a 19 ans, Louis XVI, 20 ans. La jeune reine voit en leur accession au trône la promesse d'une libération. Madame, ma très chère mère, quoique Dieu m'a fait naître dans le rang que j'occupe aujourd'hui, je ne puis m'empêcher d'admirer l'arrangement de la Providence qui m'a choisi pour le plus beau royaume de l'Europe. Marie-Antoinette, elle pense à ce moment-là que son statut de reine va lui permettre de s'affranchir finalement de toutes ses obligations. Et donc, elle va prendre de plus en plus de liberté avec l'étiquette. Mais finalement, ce qu'on pardonnait bien volontiers à la Dauphine, on ne va plus le pardonner à la reine, parce qu'à ce moment-là, tout prend un caractère officiel. Son premier acte de reine est de demander à son époux la maison de campagne dont elle rêve depuis si longtemps. Son premier acte de roi est de la lui offrir. Ce sera le petit Trianon, un petit château situé à 3 km du Grand Palais de Versailles. Marie-Antoinette va faire du petit Trianon l'arme de son indépendance. Et indépendance, c'est vraiment le maître mot pour Marie-Antoinette. Et elle va immédiatement en faire son domaine exclusif. Même le roi ne s'y rend que sur invitation. Après 4 années passées à Versailles, le petit Trianon devient le refuge de Marie-Antoinette, où elle peut vivre à sa guise, loin des obligations de la cour. « Ici, je ne suis plus la reine, je suis moi-même », dira-t-elle. Ici, elle va vivre en toute intimité, comme une simple particulière, loin de ses courtisans médisants. Mais se soustraire au protocole de Versailles n'est pas sans conséquences. Elle joue avec le feu. La petite guerre entre courtisans jaloux les uns des autres se transforme en une animosité entre elle et la vieille cour. Ce qui aura de graves et désastreuses conséquences pour le trône. Le petit Trianon est un joyau de l'architecture néoclassique que Louis XV commanda à son architecte Gabriel pour abriter sa relation avec sa maîtresse. Madame de Pompadour mourut avant d'en profiter. Et c'est Madame du Barry, la nouvelle favorite, qui l'occupa. Cette bonbonnière exquise, à l'esprit si féminin, est à l'opposé du gigantisme guindé de Versailles. Mais lorsque Marie-Antoinette l'investit en 1774, elle trouve le château entouré de serres. Il est au beau milieu du jardin botanique de Louis XV. Louis XV est un homme qui aime vraiment la botanique. On dit même qu'il aimait lui-même passer la charrue dans les champs de Trianon. Preuve en est que cet homme s'intéresse vraiment à l'art du jardin. Il y a à Trianon une collection incroyable végétale.
quand Louis XV envoie partout sur la planète des navires, c'est pour qu'on ramène, entre autres, des végétaux incroyablement beaux et rares. Les serres abritent la plus prestigieuse collection botanique d'Europe, avec plus de 4000 plantes venues du monde entier. Mais cela ennuie prodigieusement Marie-Antoinette. Ce qu'elle veut, c'est un jardin d'agrément pour recevoir ses invités. Le premier réflexe qu'elle aura en héritant de ce domaine, c'est de demander à son jardinier et à son architecte de détruire le jardin botanique de Louis XV. C'est très mal perçu à l'époque, autant par l'architecte d'ailleurs que par le jardinier. Comment peut-on détruire des végétaux aussi rares ? C'est ainsi que l'un des plus grands jardins botaniques du monde disparaît. Elle ne va conserver qu'un seul aspect du jardin de Louis XV, l'actuel jardin français, qui existe toujours avec ce magnifique pavillon français au milieu. Tout le reste va être modifié. Elle va faire démolir les serres d'expérimentation, elle va faire transplanter les plantations rares au jardin du roi à Paris, l'ancêtre de notre jardin des plantes, et surtout, elle va faire dessiner quelque chose de complètement nouveau. Reine moderne, Marie-Antoinette veut suivre la mode des jardins paysagers à l'anglaise. Ils font fureur outre-Manche depuis une trentaine d'années et commencent à se répandre dans les propriétés françaises. Leur agencement irrégulier restitue la nature sous son aspect sauvage, à l'opposé des jardins géométriques à la française créés pour Louis XIV. Le jardin à la française rappelle l'autorité du roi. Le jardin à la française est un jardin de pouvoir, c'est un jardin d'autorité. Dans ce style de jardin, les végétaux sont alignés dans un garde-à-vous impeccable. Le jardin à la française, c'est un jardin qui est créé par un jardinier architecte. Il veut que la nature se plie à sa volonté. Dans le jardin paysager ou à l'anglaise, le concepteur devient poète. Il imagine la nature non pas telle qu'elle est vraiment, mais telle que lui aimerait qu'elle soit. Cette révolution esthétique est portée par le courant philosophique des Lumières qui prône le retour de l'homme à la nature. Ce qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est qu'il y avait un vrai rejet aussi du jardin classique Louis XIVien. Sous l'influence évidemment de Rousseau et notamment de sa Nouvelle Héloïse, il décrit ce nouveau jardin idyllique, ce nouvel âge d'or, cet Éden, avec des temples à l'antique et puis aussi des allées sinueuses et irrégulières. Rousseau vante les bienfaits de la nature, mais aussi de l'égalité entre les hommes. Les aristocrates se délectent du romantisme de ses écrits. Les futurs révolutionnaires y décèlent un manifeste politique. Le fait que les idées sociales radicales des philosophes des Lumières s'invitent dans le nouveau style de vie adopté par la reine dans son domaine privé est une ironie du sort pour Marie-Antoinette, qui devient malgré elle une sorte de messagère de la Révolution. C'est ici. Vous l'aviez souhaité, votre jardin anglais sera... Marie-Antoinette confie le chantier de son jardin à Richard Mic, le premier architecte du roi, aidé d'Antoine Richard, le jardinier de Trianon. Elle a choisi le plan dessiné par le comte de Caraman, un amateur éclairé dont elle a visité le jardin. Le dessinateur des jardins du roi, Hubert Robert, y apporte sa sensibilité de peintre paysager. Pour les jardins de Trianon, Marie-Antoinette, c'est le commanditaire, mais c'est aussi le maître d'œuvre. Elle s'investit personnellement dans ce nouveau chantier. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'hésite pas à faire reprendre 10 fois le profil d'un bosquet ou d'un ornement. Cette pièce-là sera plus vers là-bas, plus petit, effectivement. Rien n'est naturel sur le domaine de Trianon. Il n'y a pas une pièce d'eau qui ait existé avant que Marie-Antoinette ne pose le pied sur ce jardin. Marie-Antoinette va faire déplacer des dizaines de milliers de mètres cubes de terre. Elle va créer des volumes, elle va créer des bassins, elle va créer des lacs. Ce chantier est inouï et des centaines de personnes vont être rémunérées pendant plusieurs années, à peu près 6 ou 7, pour mener à bien le projet voulu par la reine Marie-Antoinette. Ceux qui avaient connu le petit Trianon avant sont abasourdis. Et notamment le duc de Cruy, qui n'avait jamais remis les pieds au petit Trianon depuis la mort de Louis XV, il raconte dans ses mémoires, « Je crus être fou, je crus rêver de voir à la place de la plus grande serre chaude d'Europe des rivières, des rochers, des collines. »
la reine cède à l'engouement de son époque pour l'Antiquité. Son jardin sera un havre pastoral et harmonieux. Une utopie qui rappelle l'âge d'or de l'Arcadie. On va construire quelques fabriques, c'est-à-dire une fabrique, c'est ces petits éléments d'architecture qui sont destinés à ponctuer un paysage. Et Marie-Antoinette, là, a du génie. L'une des fabriques exceptionnelles est le Temple de l'Amour, une rotonde d'inspiration gréco-romaine dédiée à Cupidon. On a un équilibre entre la largeur du temple, son élévation, la courbe de la coupole, tout est absolument parfait. On a vraiment un élément d'architecture directement sorti des plus beaux canons de l'Antiquité. Et la mise en scène de ce temple sur une île au milieu de la rivière est absolument un coup de génie. Surplombant un lac artificiel, le belvédère est un pavillon octogonal en pierre de style néoclassique. Avec ses portes et ses fenêtres ouvertes sur le parc, il était le salon de musique d'été de Marie-Antoinette. La lumière vient inonder les murs peints de gracieux motifs d'arabesques et de fleurs qui font délicatement écho au jardin qui l'entoure. C'est cela le style Marie-Antoinette, une très très grande élégance. C'est-à-dire un style néoclassique, très Louis XVI, si l'on peut dire, mais miniature, très fleurie également, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs, des guirlandes, etc. Les motifs champêtres créent une harmonie parfaite entre château et jardin, entre intérieur et extérieur. Fait entrer finalement ce paysage et ce temple de l'amour que l'on voit de ses fenêtres à l'intérieur de la pièce. Et puis inversement, sur les mobiliers, sur les objets d'art, sont jetés des motifs décoratifs au naturel, inspirés de la nature environnante. Alors c'est des bleuets sauvages, des tournesols, des pommes de pin, des motifs champêtres qui se mêlent à ses motifs préférés, des motifs très féminins comme la perle, le médaillon, les nœuds. Le chef-d'œuvre, évidemment, c'est le mobilier aux épis de la reine, hein, qui se trouve dans sa chambre au Petit Trianon. C'est Jacob le menuisier. C'est un meuble peint au naturel avec des fleurs de jasmin. Tout est en fait recouvert, et ça c'est le miracle de ce meuble, de la soierie d'origine. Dispersés avec le reste du mobilier à la Révolution, ces sièges revinrent au Petit Trianon 150 ans plus tard, miraculeusement intacts. Marie-Antoinette, pour décorer ses nouveaux cabinets, elle commande quantité d'œuvres d'art aux meilleurs artistes de la couronne. Elle sélectionne elle-même avec soin les étoffes, les tapisseries, les vases en porcelaine de Sèvres, ce qui fait que cela en fait l'un des mécènes les plus importants du siècle. Les artisans qui rénovent aujourd'hui la maison de la reine ont hérité du savoir-faire des maîtres d'autrefois, dont ils perpétuent l'histoire et les traditions. L'industrie française du luxe vit le jour sous le règne de Louis XIV pour accroître le prestige du roi. Plein d'humour, son ministre Colbert lançait à qui voulait l'entendre que la mode était pour la France ce que les mines d'or du Pérou étaient pour l'Espagne. Dans le Paris de Marie-Antoinette, 30% des travailleurs sont employés dans les métiers du luxe. Le travail exige du goût, les matériaux les plus fins et les gestes les plus délicats. Et cela coûte beaucoup d'argent. Les dépenses extravagantes de Marie-Antoinette scandalisent l'opinion publique, qui l'accuse d'être la cause du déficit de la France. En réalité, ces dépenses ne représentent qu'une infime partie du budget de la maison royale. Mais ces soupçons nuisent à sa réputation. L'aménagement de son domaine est magnifique,
mais il lui coûte la sympathie de ses sujets. Près de 300 000 livres sont dépensés pour le jardin, soit le prix d'un joli château. De pareilles sommes se retrouvent sur les tables de jeu du Petit Trianon, lors de soirées privées, loin des regards du public. Marie-Antoinette aime le jeu. Le problème, c'est qu'elle va jouer dans sa jeunesse un jeu d'enfer et perdre ou gagner des sommes absolument colossales. En 1776, Merci évalue d'ailleurs les pertes de jeu de la reine à 400 000 livres, donc tout à fait abyssal. Elle fait aussi des achats de bijoux très conséquents, et notamment, toujours en 1776, l'achat d'une paire de girandoles, c'est-à-dire des pendants d'oreilles, avec 6 énormes diamants livrés par Boehmer et Bassange, les joailliers de la couronne, pour 460 000 livres. Donc c'est une somme astronomique que Louis XVI accepte de payer sur sa cassette personnelle, encore une fois, mais avec un crédit de 4 ans. Et cela va se retourner aussi contre lui, parce qu'il va paraître finalement un roi faible qui est comme gouverné par sa femme. Mais la politique ne l'intéresse pas. Marie-Antoinette préfère s'amuser et fuir l'ennui de ses obligations de reine. Elle se découvre alors une véritable et durable passion. La mode est une sorte de jeu. À travers sa façon de s'habiller, elle est frivole, elle est fantasque. Elle contourne les règles strictes du protocole de cour. Mais la mode lui donne aussi une forme de notoriété publique, une forme d'émancipation qu'elle revendique et qui lui permet de façonner sa propre identité. Le style de Marie-Antoinette est célébré dans les gravures de mode de l'époque. Elle est considérée comme le premier top modèle de l'histoire. Marie-Antoinette a en effet décidé elle-même de se fabriquer ce personnage brillant et fascinant que la Terre entière allait admirer. C'est-à-dire qu'en fait, Marie-Antoinette, elle n'est pas à la mode. Elle est la mode. Par chance pour la reine, la mode est en pleine évolution. Longtemps cantonnée au rôle de petite main de la couture, les femmes deviennent peu à peu des marchandes de mode. La plus talentueuse d'entre elles, Rose Bertin, sera sa plus fidèle collaboratrice, surnommée très vite la ministre des modes. Bien, pour commencer, j'ai ce merveilleux ruban. Les deux femmes se sont bien trouvées parce que, d'un côté, Marie-Antoinette est absolument éblouie par toutes ces créations renouvelées de la couturière, elle qui aime toujours le changement. Et de l'autre côté, eh bien, Rose Bertin, qui a le sens des affaires, elle trouve en Marie-Antoinette, qui est riche, que tout le monde regarde, eh bien, un mannequin absolument idéal pour ses nouvelles créations. Regardez cet éventail. Les marchandes de mode ne vendent pas de vêtements, elles créent des accessoires pour orner les tenues et donner un souffle de fantaisie aux modèles de cour. Leurs clientes peuvent ainsi changer de look du jour au lendemain en ajoutant des volants à leurs jupes ou des colifichets dans leurs cheveux. La mode est devenue pour les femmes un moyen d'expression. Touchez. L'intérêt de la reine pour la mode choque la cour. Jusqu'ici, elle était réservée à des femmes aux mœurs légères, actrices, prostituées et maîtresses royales. Louis XVI n'a pas de maîtresse royale. Il n'a pas de favorite. Et par une ironie tragique, eh bien cela va se retourner contre eux. D'abord contre Louis XVI, qui va paraître pour un roi faible, et finalement, cette faiblesse l'expose au mépris du peuple. Et puis, contre Marie-Antoinette elle-même, parce que la favorite à la cour de France, elle a un rôle. C'est finalement un rôle d'exutoire. Elle fascine, et puis on l'adule, et puis ensuite on la déteste et on la disgracie. Et finalement, Marie-Antoinette, en étant sur le devant de la scène, en portant la mode, elle agit comme une favorite. Et Marie-Thérèse, qui voit tout, encore une fois, le lui reproche dans une lettre. « Mais qu'avez-vous à jouer les Pompadour, les du Paris? Vous n'êtes pas une favorite, vous êtes la reine. » Bientôt, Marie-Antoinette, Rose Bertin et le coiffeur Léonard défient les limites du bon goût avec leur création la plus audacieuse, le pouf. Le pouf est l'accessoire de mode personnalisable par excellence. On crêpe et on enroule les cheveux autour d'un grillage que l'on rembourre avec du crin de cheval pour former une sorte d'édifice capillaire qui sera ensuite décoré de divers accessoires.
decorative objects were placed in the pouf. Entre scènes de théâtre miniature et panneaux d'affichage personnel, le pouf exprime des sentiments, annonce des événements ou célèbre des actions politiques. Chacune affiche ses opinions sur sa tête. Comme ce pouf que porte la reine en soutien à une victoire navale française lors de la guerre d'indépendance américaine si controversée. Pour Marie-Antoinette, porter lors d'un grand bal parisien la maquette de ce navire français victorieux est une manière de montrer qu'elle approuve la décision de son mari de s'engager dans la Révolution américaine et de dire au peuple français qu'il doit s'en réjouir. Les poufs font fureur auprès de toutes les femmes. On les porte jusqu'en Angleterre et en Espagne. Au bout de 3 ans, cette démesure capillaire tourne au ridicule. On a même des témoins qui nous racontent qu'ils découvrent les dames qui ne peuvent même plus rentrer dans leur carrosse à l'anglaise, qui ont un plafond un peu plus bas et qui sont à genoux et qui passent la tête par la portière. Malheureusement, vivre par le pouf, c'est aussi mourir par le pouf. Les poufs préférés de Marie-Antoinette étaient couverts d'une poudre principalement composée de farine. En se promenant avec ses coiffures enfarinées, elle portait en fait sur la tête une denrée que ses sujets n'avaient pas les moyens de s'offrir pour manger. Alertée par son ambassadeur espion, le comte de Mercy, Marie-Thérèse tente de reprendre le contrôle. Quand deviendrez-vous enfin vous-même ? Une souveraine s'avilit en se parant, et encore plus si elle pousse cela à des sommes si considérables, et en quel temps ? Je ne puis me taire, vous aimant pour votre bien, et non pour vous flatter. L'impératrice a d'autant plus de raisons de s'inquiéter que le couple royal n'a toujours pas d'enfant. En 7 ans, le mariage n'a pas encore été consommé. Le seul rôle d'une reine de France, c'est de donner un héritier à la couronne. Et donc, Marie-Thérèse craint que sa fille ne soit répudiée et que finalement, toute la clé de voûte de sa stratégie en France s'écroule. Si le mariage n'est toujours pas consommé, c'est que tout les oppose. Une sorte d'erreur de casting dans cette histoire. Ils s'opposent par leur goût, ils s'opposent par leur nature. Elle est très joviale et il est plutôt mélancolique. Même dans leur corps, hein. Lui, c'est un colosse d'1m96 et elle, eh bien, elle est tout de grâce et de finesse. Les rumeurs se multiplient. Le roi souffrirait d'une anomalie anatomique ou serait intimidé par la personnalité décadente de la reine. Marie-Thérèse prend l'affaire en main et décide d'envoyer sur place son fils, l'empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, pour résoudre la crise. La question, c'est quand ? Encore un héritier au trône de France. Une longue discussion avec le roi fait apparaître qu'il souffre d'un défaut majeur d'éducation sexuelle. Après de vives remontrances à sa sœur pour lui rappeler ses devoirs, alors ma sœur, pour l'amour de Dieu et de l'Autriche, Joseph II rend son diagnostic à son frère Léopold, la maladresse abyssale du roi est sa seule maladie. Il a des érections fortes, bien conditionnées. Il introduit le membre, reste là sans remuer 2 minutes, peut-être, et se retire sans jamais décharger, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. Il faudrait le fouetter pour le faire décharger de colère comme les ânes. Ma sœur, avec cela, a peu de tempérament, et ils sont là 2 francs maladroits ensemble. Je suis dans le bonheur le plus essentiel de toute ma vie. Il y a déjà plus de 8 jours que mon mariage est consommé. L'épreuve a été réitérée, et encore hier plus complètement que la première fois. Je ne crois pas être grosse encore, mais au moins j'ai l'espérance de pouvoir l'être d'un moment à l'autre.
8 mois plus tard, Marie-Antoinette peut enfin annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Elle est enceinte. Au printemps, le jardin de la reine s'éveille sous le regard bienveillant de Cupidon. D'une poésie toute champêtre, éclatant de couleurs, le refuge dont elle avait rêvé devient sa source de réconfort. Elle est sous le charme de sa propre création. Elle est heureuse. Et elle reçoit un vieil ami absent depuis 4 ans. De retour en France, Axel de Fersen vient lui présenter ses hommages. Lorsqu'il est parti, elle était une dauphine sans importance. À son retour, elle est devenue reine. Il est toujours aussi beau, elle est toujours aussi belle. Et ils s'aiment toujours beaucoup. Très rapidement, la rumeur court qu'elle est amoureuse de lui. Le jardin est un décor de romance. Le théâtre idéal pour vivre les premiers émois d'une histoire d'amour. À Versailles, les rumeurs vont bon train, disant qu'elle est amoureuse de lui et qu'il est toujours avec elle. Elle a dû penser que s'il disparaissait quelques mois, cela ferait taire tous ses ragots. Elle ne se doutait pas qu'il repartirait pour si longtemps. Il s'engagera pour la guerre d'indépendance américaine et ne reviendra que 3 ans plus tard. Dans son paradis de verdure, la reine vient de tomber amoureuse d'un soldat suédois. Le 19 décembre, c'est l'effervescence dans les couloirs de Versailles. Marie-Antoinette s'apprête à accoucher. Les courtisans se pressent à son chevet. Il y a une cohue dans l'appartement. Alors on grimpe sur les tables, on grimpe aux rideaux pour mieux voir. Et puis on est en plein hiver, il fait étouffant dans les appartements. Et comme on a calfeutré les portes, on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres. Et c'est un accouchement en public, parce que dans une monarchie héréditaire, où le pouvoir se transmet par le sang, il fallait s'assurer à tout prix qu'il n'y ait pas substitution du nouveau-né à la naissance. C'est une petite fille, Marie-Thérèse, dite Madame Royale. Ce n'est pas l'héritier attendu. Et l'impératrice presse sa fille d'avoir aussitôt un autre enfant, un garçon cette fois. Un incident providentiel permet à la reine de souffler un peu. 4 mois après cette naissance, Marie-Antoinette tombe malade, elle commence à grelotter, elle a des aphtes, etc. Elle a la rougeole. Et donc, elle va à Trianon et elle s'entoure de ses gardes-malades un peu particuliers, c'est-à-dire ses favoris qui sont tout énamourés. Pendant ces 3 semaines de quarantaine, elle se retrouve en toute intimité entourée de 4 de ses favoris. Et de là, vont naître les premières rumeurs d'infidélité, parce qu'on se dit que finalement, ces hommes qui sont seuls avec Marie-Antoinette à Trianon, ce ne sont pas seulement que des amis, c'est peut-être des amis un peu particuliers. Et que pourquoi est-ce que cette reine a tellement besoin de s'isoler et d'intimité? C'est forcément qu'elle a quelque chose à cacher. Marie-Antoinette fait la sourde oreille. Lorsqu'elle actionne le mécanisme qui ferme son boudoir, elle attise la curiosité et les rumeurs s'affolent. Ce qui va poser problème, c'est la façon dont Marie-Antoinette utilise Trianon. C'est-à-dire qu'elle va se comporter vraiment en châtelaine, donc elle ferme la porte de Trianon. Il faut son autorisation pour y venir. C'est quand même le paradoxe. Versailles est un domaine ouvert à tous les vents, à tous ceux qui peuvent ou qui veulent y rentrer. Il suffit simplement d'avoir une épée et un chapeau. À Trianon, il faut le jeton de la reine. Le jeton de la reine, c'est une pièce que l'on présente au gardien qui vous autorise à pénétrer sur le domaine. L'idée qu'on puisse vous refuser l'accès, la cour de Versailles ne supporte pas et la haine va s'amplifier autour de Marie-Antoinette. Thank you.
À partir de 1780, les élus autorisés à venir au Petit Trianon se verront offrir une nouvelle distraction. La reine dote son domaine d'un théâtre de société. Marie-Antoinette a toujours aimé la musique, le théâtre et la danse. Lorsqu'elle avait 12 ans, elle montait souvent sur la scène du théâtre familial à Vienne en compagnie de ses frères et sœurs. Elle confie ce nouveau chantier toujours à Richard Mick, qui va édifier, alors on dit, un petit théâtre de papier dans les harmonies bleu et or. Alors pourquoi un petit théâtre de papier? Parce que on n'est pas en pierre mais en bois, et le bois est peint en faux marbre, les sculptures ne sont pas en marbre mais en carton-pierre. Le décor est spectaculaire, mais tout est en toc. Contrairement à la légende, il n'y a jamais eu la moindre pierre précieuse encastrée dans les murs. Mais par contre, ce tout petit théâtre, il est doté d'une véritable machinerie pour des changements de décor à vue. Et donc, on a une sorte de réduction en miniature du Grand Opéra Royal de Versailles. Marie-Antoinette invite les grandes compagnies parisiennes, telles que l'Opéra, la Comédie Française ou encore la Comédie Italienne. On retrouve dans le théâtre les décors habituels, le temple, le riche salon, la chaumière rustique, la forêt sombre et un jardin. Quelques décors suffisent pour jouer tout le répertoire du 18e. La reine adore monter sur scène elle-même. Marie-Antoinette se fait accompagner sur scène par ce qu'on appelle la troupe des seigneurs, dont font partie évidemment ses amis, mais aussi quelques nobles de la cour, notamment évidemment Artois et Provence, les deux frères de Louis XVI. Et ils jouent des représentations devant une centaine de spectateurs, et qui sont exclusivement des invités de la reine. Et puis, lorsqu'il manque des spectateurs, eh bien, les domestiques ont l'autorisation de suivre également dans une loge ou derrière une grille eh bien, ces petites représentations. Et le scandale arrive, non pas à cause de la présence des domestiques, mais de l'exclusion des nobles. Les grandes charges de la cour, qui normalement devraient suivre la reine tout le temps, se voient refuser l'entrée. La dame d'honneur, la dame d'atour n'ont pas forcément accès à ces représentations-là, ce qui fait que là, on est vraiment dans quelque chose qui est nouveau à Versailles, c'est-à-dire une reine de France qui disparaît complètement de la vie publique quand elle est à Trianon. Dans l'intimité de son domaine, Marie-Antoinette recrée une cour parallèle à celle de Versailles où l'étiquette est assouplie. Les invités sont choisis par affinité et non suivant leur rang. En gardant la noblesse à distance, Marie-Antoinette se referme sur elle-même. Pour elle, le monde se réduit à son domaine. Au final, on a une reine qui possède son propre château, qui en plus fait édicter des règlements de par la reine, alors que normalement c'est la prérogative du roi seul. Et la crise, elle provient en fait de cette bicéphalie de la cour. La haute noblesse voue maintenant une véritable haine à Marie-Antoinette et commence à diffuser des ragots obscènes sur la reine et Madame de Polignac. Elles auraient le vice allemand. C'est-à-dire qu'elles entretiendraient une relation lesbienne. Cette calomnie saphique insinue que Louis XVI étant si peu attirant, la reine a des maîtresses alors que le roi n'en a pas. Indifférente à ce genre de ragots, Marie-Antoinette les ignore une nouvelle fois, préférant l'intimité de son jardin. Ce retour à la nature que Marie-Antoinette cherche à cultiver, Rose Bertin invente un style vestimentaire qui deviendra la signature du Petit Trianon. Il s'agit d'une robe chemise dite de Gaulle, en coton ou mousseline de couleur blanche, assez déstructurée, un vêtement simple et confortable. Mais une simple robe, si elle est portée par Marie-Antoinette, peut devenir l'objet d'une controverse. La preuve en est ce tableau d'Élisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste de la reine, présenté au salon de 1783.
Normalement, Marie-Antoinette aurait dû porter tous les symboles de la royauté. Une robe d'hermine, un sceptre et une couronne. Mais elle pose dans une robe de Gaulle sans que rien ne mette en évidence son statut de reine. Des tracts disent que Marie-Antoinette ressemble à une servante, une fille de rue qui vend de la limonade dans une taverne. Face à la colère du public, l'artiste doit décrocher son œuvre. Élisabeth Vigée-Lebrun peint aussitôt un autre portrait à l'identique où Marie-Antoinette porte une somptueuse robe en soie bleue et ressemble en tout point à ce que doit être une reine. On espère que ce tableau apaisera le public français, mais le mal est fait. C'est d'ailleurs paradoxal. Dans les années 1770, en pleine pénurie de farine, les sujets critiquaient Marie-Antoinette pour ses dépenses excessives. Maintenant, le public l'accuse de s'habiller trop simplement, il trouve que c'est indigne d'une reine et que c'est une insulte à l'institution qu'elle est censée représenter. Les femmes adoptent toute la robe de Gaulle, si confortable. Comme toujours, la reine est détestée, mais imitée. La robe blanche fleurit partout. Mais pour la fabriquer, on utilise du coton importé, ce qui entraîne la faillite de l'industrie de la soie. L'industrie de la soie était le fleuron des métiers du luxe en France. Elle fournissait tout Versailles, où les courtisans ne s'habillaient que de soie. Le monde entier portait de la soie française. Mais soudain, des milliers d'emplois sont supprimés. La rumeur se répand que l'Autrichienne veut détruire l'économie française. Quelques artisans du luxe d'antan fournissent encore Versailles aujourd'hui. Comme la passementerie de Clercq, fondée au XIXe siècle. Ces métiers anciens ont récemment tissé le galon qui ornera désormais les nouveaux rideaux et sièges de la maison de la reine. En 1780, la correspondance hebdomadaire en provenance de Vienne est stoppée net. Marie-Thérèse vient de mourir. Marie-Antoinette ne sera plus espionnée, mais elle perd son mentor. À la fin du deuil, 11 mois plus tard, la reine donne naissance à son deuxième enfant, un fils. Après 11 ans de mariage, la France a enfin son héritier, Louis-Joseph. Et cette naissance, finalement, elle sauve Marie-Antoinette. Parce que désormais, elle est inattaquable. Elle remplit son devoir de reine de France. La mort de sa mère et les maternités ont transformé Marie-Antoinette. Elle a rempli son devoir de reine. Le peuple l'acclame. À 27 ans, sûre de son autorité, elle regarde l'horizon au loin dans son jardin. Cet état de grâce lui inspire un nouveau projet pour embellir son domaine. Comme toujours, elle demande à Richard Mick, son architecte, de le réaliser. Il construira une sorte de décor de théâtre en plein air, dont la scène s'étendra cette fois sur plusieurs hectares, formant un village tout entier. Elle veut donc un village pour qu'elle soit reine de son village. Elle n'a pas envie d'être reine de France, elle veut être reine d'un petit village. Et le domaine de Marie-Antoinette, en fait, représente parfaitement un petit village typique de la région au XVIIIe siècle. Marie-Antoinette n'invente rien. Les hameaux de style normand sont alors très en vogue. Elle a visité à Chantilly celui du prince de Condé, composé de 7 chaumières rustiques, et s'en inspire. Mais là, Marie-Antoinette voit les choses en grand, c'est-à-dire elle ne se contente pas d'une ou deux chaumières, elle veut un village complet. Majesté, voici à quoi ressemblera le hameau. Et le village complet est aménagé autour d'un étang, une sorte d'amphithéâtre, d'arc de cercle, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord un nouveau décor pour le jardin. Ah ! Les travaux débutent en 1783. Je vous ai dit de prendre les mesures partout, sur tout le chemin. Écoutez, vous faites pas ça. Changez-moi, mais... Venez là.
Ça s'enfonce beaucoup plus qu'on avait prévu, hein. Une grenouille n'y retrouverait pas ses petits. Monsieur Bellechasse, s'il vous plaît. Sa Majesté désirerait déplacer le lit de la rivière. Oui. Il faudra 3 ans pour achever les 12 constructions. Pourtant, le village n'est guère plus qu'un décor de scène éphémère. 6, 7, 8, 9, et juste là. Là, comme ça. Lorsque Marie-Antoinette demande un village, l'architecte a compris que c'était un rêve. Et donc, ce village va ressembler à un rêve. Quand on arrive dans ce village, on est séduit par la simplicité et par la beauté. Plus tard, le rêve, que l'on croirait échappé d'un conte de Grimm, déploie son charme rustique à quelques minutes du château de Versailles. Son apparente simplicité n'est qu'une illusion. Ce hameau, en fait, se présente surtout comme une espèce de château, mais un château éclaté en plusieurs constructions. C'est vraiment quelque chose qui repense entièrement la notion d'édifice royal. Dispersés, les petits bâtiments donnent l'illusion d'un vrai village. Un boudoir qui sert de vestiaire pour la reine, une maison à l'usage du gardien, une pêcherie, une laiterie où le lait frais est servi aux invités dans de la porcelaine fine, un colombier. Au-delà de la rivière, une ferme avec des moutons et des chèvres pour approvisionner la laiterie et des œufs frais pour la reine. Et un moulin décoratif dont la roue n'a jamais tourné. Cette construction avait été faite essentiellement pour Marie-Antoinette, pour le goût du temps, pour la mode du temps. C'est-à-dire qu'elle était destinée à la reine et pas forcément à perdurer. L'édifice central, la maison de la reine, a souffert de la Révolution, de l'usure du temps et de négligence. Marie-Antoinette n'a profité de son hameau que pendant 3 ans. Après son départ, il est resté abandonné la plupart du temps. Le hameau de la Reine est certainement l'endroit le plus fragile de Versailles, mais également celui qui a bénéficié le moins de soins. Donc je crois qu'il faut bien sûr entretenir ce domaine, mais il faut le faire avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence. C'était un lieu autrefois qui se prêtait à la rêverie. Il faut qu'aujourd'hui on puisse encore s'y perdre, encore y rêver. Aussi éphémère qu'un rêve, le hameau fut bâti sans fondation sur des marécages. Chaque maison est fragile et périssable. Et pourtant, le rêve a survécu. Le hameau est peint dans une série de recueils luxueux, commandés par la reine pour les offrir à ses invités de marque. Il est présenté comme l'apogée de la transformation romantique de son domaine. Le hameau a été conçu en fait comme le réceptacle de ce jardin. Il est celui qui reçoit la beauté du jardin et la relance dans l'autre sens, mais avec cet aspect rustique, contrairement au jardin anglais, avec ses constructions très chics et très élégantes. Les fabriques, magnifiées par la flore généreuse du jardin, évoquent l'âge d'or antique. Le hameau, lui, est contemporain, un village pastoral ancré dans l'âge d'or du présent. Le domaine est un vaste théâtre où le spectacle est permanent. Les convives semblent habités par la magie des lieux qui invite à la contemplation. À Trianon, le temps semble suspendu.
Pour Marie-Antoinette, le printemps 1783 sera celui de l'amour et du bonheur. Fersen revient en France en juin 1783. Une lettre envoyée à sa sœur montre que ses sentiments n'ont pas changé. Il lui écrit « Puisque je ne peux être avec la seule femme à qui je voudrais appartenir, la seule qui m'aime vraiment, je ne veux jamais me marier. » Elle n'allait pas le laisser repartir à nouveau, car s'il partait, c'était fini. Elle a déjà un fils, elle a donc donné un héritier au trône et a accompli son devoir de reine. C'est alors qu'ils sont devenus amants. Fersen restera près de la reine jusqu'à ce que la révolution l'emporte, cherchant à tout prix à la sauver, sans y parvenir. Le bonheur semblait à portée de main, mais le bonheur, lui aussi, est éphémère. Et il fera bientôt, comme eux, partie du passé. Mais le rêve de la reine, son village si souvent menacé de la ruine, a survécu tant bien que mal. S'il est très altéré, c'est qu'il n'a pas été entretenu pratiquement pendant 150 ans. Ça nous vaut de garder des éléments d'une authenticité admirable. Ça nous vaut une ruine sur laquelle il est absolument nécessaire d'agir, faute de quoi tout disparaîtra. On a la chance d'avoir sur les maisons royales une fantastique documentation. On en connaît le détail des marchés d'entreprise, on a en plus des dessins, on a des plans, mais au-delà de toute la documentation, le premier document, c'est le monument lui-même. Toute restauration est un acte d'archéologie. La maison de la reine témoigne de plusieurs périodes. Restaurée par Napoléon Ier pour son épouse Marie-Louise, puis une nouvelle fois sous Napoléon III pour l'impératrice Eugénie, elle change plusieurs fois de style et d'usage. Le hameau de la reine est associé au nom de Marie-Antoinette. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à Marie-Antoinette. La Révolution est une phase de l'histoire de France qui a compté à Versailles. Les restaurations, les modifications apportées au temps de Napoléon sont également des composantes historiques que l'on n'a pas le droit de négliger. À la limite même, l'état d'abandon dans lequel le bâtiment a été laissé pendant un siècle et demi est sans doute la composante historique la plus durable que l'ouvrage ait connue. Choisir parmi ces dispositions est un choix architectural. Comme pour le bâti, les conservateurs ont dû faire des choix pour la décoration intérieure. Depuis plus d'un siècle, personne n'a jamais vu la maison de la reine meublée. À la Révolution, le hameau a été loué à un aubergiste et les meubles de Marie-Antoinette, vendus aux enchères, ont disparu. En revanche, tout le mobilier de l'impératrice Marie-Louise, installé une vingtaine d'années plus tard, est lui conservé dans les réserves. Il reprendra bientôt sa place d'origine.
on a pu vraiment retrouver totalement l'esprit du hameau de Marie-Louise, qui, il faut bien le dire également, ne trahissait pas l'esprit du hameau de Marie-Antoinette. Peut-être est-il un peu moins élégant, parce que le style Empire est plus rigide, un peu plus épais également dans les structures de bois, si vous voulez, mais globalement, l'esprit féminin, antiquisant, très gracieux, très fleuri du hameau de Marie-Antoinette, c'est également celui de Marie-Louise. À l'extérieur, quelques traces du décor original de Marie-Antoinette subsistent. Alors, s'agissant des décors extérieurs, on sait que depuis l'origine, le bâtiment neuf qui était élevé par Mick pour Marie-Antoinette a été peint comme un décor de théâtre, avec d'ailleurs les mêmes artisans qui travaillaient sur les décors du Théâtre de la Reine, pour leur donner, c'est l'expression du temps, un aspect de vétusté. Toute la scénographie du hameau a été conçue pour être vue de l'autre côté de l'étang, c'est-à-dire une vue à une centaine de mètres de certains ouvrages. Il y a des effets visuels qui, pour être perceptibles, doivent être caricaturales et forcées. Et ce sont les termes que j'ai employés pour m'adresser aujourd'hui à des restaurateurs pour correspondre aux dispositions anciennes de l'ouvrage. Richard Mick avait donné la touche finale à ce tableau champêtre en dotant chaque maisonnette d'un petit potager agrémenté de fleurs. Ces jardinets rustiques sont toujours particulièrement choyés par les jardiniers du domaine. Notre objectif principal est de remettre le hameau de la Reine tel qu'il était au moment de sa création, en replantant dans le jardin, à partir des listes que nous avons, les mêmes fleurs ou les mêmes légumes. Ce que j'adorerais, c'est que si un jour Marie-Antoinette revienne et je sois à côté d'elle, elle puisse me complimenter sur l'entretien de son jardin. Ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'un rêveur puisse avoir l'impression qu'il a fait un retour de 2 siècles dans le temps. En 1785, c'est la naissance de son second fils, le petit Louis-Charles, le futur Louis XVII. Et Marie-Antoinette, c'est véritablement un modèle d'amour maternel. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à témoigner de son affection de manière démonstrative et aussi publique. Elle surnomme ses enfants Mousseline, sa fille Madame Sérieuse, ou même le petit Louis-Charles Chou d'amour. Elle joue avec eux à Colin-Maillard ou à la guerre Pampan, à quatre pattes, pour dire, sur le tapis. À 30 ans, Marie-Antoinette change radicalement de façon de s'habiller. Elle est mère de jeunes enfants et selon tous les témoignages, elle affiche une beauté toujours radieuse alors qu'elle pense qu'elle décline. Les portraits qu'Élisabeth Vigée-Lebrun a peints entre 1785 et 1787 montrent l'évolution de Marie-Antoinette vers la maturité. Elle y apparaît à l'aise dans son statut, mais ne fait plus l'étalage de sa splendeur. Le hameau est devenu le refuge idéal pour les promenades familiales. Contrairement aux usages, Marie-Antoinette tient à élever elle-même ses enfants. La reine se plaît à reproduire l'ambiance libre et chaleureuse du cadre familial de son enfance. Ou peut-être cherche-t-elle inconsciemment à racheter sa réputation en éduquant le futur roi de France.
Monsieur Malbrook est mort, Mironton, Mironton, Mirontaine. Monsieur Malbrook est mort et enterré. Marie-Antoinette se met à la portée de ses enfants. Elle écrit que lorsqu'elle leur dit non, elle trouve toujours une raison à la portée de leur âge pour qu'ils ne puissent pas penser que c'est une humeur de sa part. Et puis, elle note avec une très grande finesse psychologique les détails de leur caractère, leurs petits mots d'enfant. Par exemple, pour Louis-Charles, elle remarque trop de sévérité, le braque, ou finalement, malgré son caractère très tendre, eh bien, il a toutes les peines du monde à dire pardon. Il ne dit qu'avec des larmes dans les yeux, dit-elle. Elle va vouloir leur donner également une éducation moderne. Moderne, ça veut dire éclairée. Et elle, qui détestait lire pendant son enfance, eh bien, elle va leur faire lire La Fontaine, Voltaire, Rousseau. Elle va vouloir aussi veiller à leur éducation morale en leur donnant des valeurs. Le hameau, il a aussi pour Marie-Antoinette une vertu éducative. Elle tient à leur montrer ce qu'elle croit des réalités de la vie paysanne. Mais le hameau, c'est un décor de théâtre. Un œuf là. Allez, va le chercher. Pour les critiques, la reine est déconnectée des réalités. Éduquer les enfants royaux dans un faux village pauvre est une insulte aux paysans affamés qui vivent dans la misère à quelques mètres d'ici. Marie-Antoinette, que veut-elle au fond ? Elle veut être heureuse, elle recherche le bonheur. Mais parce que le bonheur, là aussi, c'est une idée moderne. C'est Rousseau qui développe dans son ouvrage Les Confessions cette idée d'un bonheur complet qui réside dans les petites choses de la vie courante, un bonheur familial, un bonheur conjugal, un bonheur amical, un bonheur maternel. Mais le problème, c'est que le bonheur, ça n'a jamais été au programme d'une reine de France. La reine préserve son bonheur familial en restant sourde aux menaces qui grondent et grandissent au dehors. Le peuple réclame du pain. Des membres de l'aristocratie complotent contre l'Autrichienne et son mari indécis. Louis XVI est un roi faible. La monarchie, fragilisée, est en train de s'effondrer. Beaucoup de gens, y compris certains membres de la famille royale, espèrent que Louis XVI et Marie-Antoinette seront destitués et qu'un roi plus fort sera mis en place. Dans sa retraite bucolique, Marie-Antoinette est devenue une mère modèle. Il n'y aura plus de fêtes à Trianon. Les bals se feront moins fréquents. Elle abandonne le théâtre, mais veut monter une dernière pièce avec la troupe des seigneurs, le Barbier de Séville de Beaumarchais. Le roi comprend, contrairement à la reine, combien Beaumarchais est un auteur subversif. Il tente pendant des mois de s'y opposer. Mais comme toujours, il finit par céder et les répétitions commencent avec Marie-Antoinette dans le rôle de l'ingénue Rosine. Ce sont des couplets de la précaution inutile que mon maître de chant m'a donné hier. Au milieu des répétitions, éclate une affaire qui place la reine sous les feux des projecteurs. Une escroquerie rocambolesque qui met en scène un collier de diamants d'une valeur astronomique et un ambitieux cardinal. Ce sera l'affaire du collier de la reine, bien que le collier ne lui ait jamais appartenu. L'affaire du collier, c'est une ténébreuse affaire qui est digne d'ailleurs d'une comédie de Molière où il y a un personnage ridicule, un peu le dindon de la farce, qui est le cardinal de Rohan, tout énamouré de la reine mais qui est triste parce qu'il se croit en disgrâce et qui va se faire avoir par une escroc, une aventurière sans scrupules, Madame de la Motte. Une nuit, le cardinal de Rohan, accompagné de Madame de la Motte, rencontre une femme vêtue d'une robe de gaule. Dans l'obscurité, il la prend pour Marie-Antoinette. Des lettres sont échangées, qu'il croit être de la reine, dans lesquelles on lui demande de lui acheter un collier. Les joailliers livrent ce collier, ils le remettent au cardinal de Rohan, qui le remet à Madame de la Motte pour qu'elle le donne à la reine. Évidemment, une fois dans ses mains, Madame de la Motte s'enfuit en Angleterre avec les diamants. Lorsque les bijoutiers de la couronne viennent demander d'être payés pour le collier acheté au nom de Marie-Antoinette, le roi et la reine sont stupéfaits.
reine qui ne comprend absolument rien de ce qu'on lui demande, balaye ça d'un revers de main en disant « mais vous rêvez, vous êtes fou, etc. » Et donc finalement, petit à petit, le cardinal s'aperçoit qu'il a été complètement joué et le scandale éclate. Le roi, furieux de voir le nom de la reine associé au scandale, fait arrêter le cardinal. Une enquête est lancée au Parlement de Paris. Madame de la Motte est rapidement arrêtée. Mais finalement, cette histoire, c'est un piège redoutable qui est tendu à la reine. Et le coup de grâce arrivera lorsque le Parlement de Paris rendra le verdict, et c'est l'acquittement du cardinal de Rohan. Malheureusement pour Marie-Antoinette, la fausse reine qui a roulé le cardinal de Rohan dans la farine portait une robe de Gaulle. Et cette robe est le mobile vestimentaire irréfutable aux yeux de l'opinion publique qui se retourne contre elle. Puisque Marie-Antoinette est le genre de femme à courir la nuit, en chemise de nuit dans les jardins, un mythe nourri par son style de vie au Petit Trianon, c'est qu'elle est forcément coupable de l'escroquerie. Alors qu'en réalité, elle n'y est pour rien et n'était même pas au courant de cette histoire. C'est le scandale le plus retentissant du règne. Marie-Antoinette n'a rien à se reprocher, mais paie son attitude passée. Si le cardinal est innocent, c'est donc la reine qui est coupable. L'opinion se retourne contre elle et la presse s'emballe. Les pamphlets se déchaînent, il y a des caricatures extrêmement violentes et on va attaquer non seulement les dépenses de la reine, mais on va aussi attaquer sa vie privée. On va l'accuser d'avoir des relations avec des hommes, avec des femmes, en fait d'être une véritable messaline. Il va y avoir des choses extrêmement violentes d'un point de vue du dessin. Il va y avoir des images carrément pornographiques qui sont diffusées sous le manteau. Il faut bien comprendre que la presse, elle n'est qu'un relais et que ces accusations, elles partent de beaucoup plus haut. Elles partent de la cour et de la famille royale même. C'est Madame Adélaïde, l'une des filles de Louis XV, qui lui trouve ce surnom d'Autrichienne qui ne va pas la quitter jusqu'à l'échafaud. C'est le comte de Provence, son beau-frère, qui émet ouvertement des doutes sur la paternité de Louis XVI. Vous avez vu son train de vie ? C'est scandaleux. Et cette cour qui, chaque jour, s'ingénie à calomnier, à discréditer la reine, eh bien, elle n'imagine pas finalement les conséquences politiques de ce discrédit qui va contribuer à l'anéantir elle-même. En juillet 1786, alors que sa popularité est au plus bas, Marie-Antoinette donne naissance à son dernier enfant, Sophie Béatrice. La petite fille meurt 11 mois plus tard. Accablé de tristesse, Louis XVI commande à Madame Vigée Lebrun un portrait de la reine entourée de ses enfants. Le dauphin Louis-Joseph lève le rideau du berceau vide de sa petite sœur. Lorsqu'en 1787, elle perd son dernier enfant, elle est profondément affligée et à la cour, on ne comprend pas pourquoi une telle tristesse pour juste un bébé. La cour montrera beaucoup plus d'intérêt pour la santé de l'héritier du trône. Les épreuves s'accumulent de plus en plus pour cette mère aimante. Et à présent, c'est la santé du dauphin qui s'aggrave. Il est atteint d'une tuberculose osseuse, donc il ne grandit pas. Et l'anatomiste petit lui crée d'ailleurs une sorte de corset qu'il doit porter chaque jour et qui le fait atrocement souffrir. Un an avant le début de la Révolution, Marie-Antoinette s'installe comme chaque été avec sa famille au Petit Trianon. La reine est toujours accompagnée de sa société, mais c'est un séjour morne, sans festivité. Ce sera le dernier dans son domaine qu'elle aime tant. Le cœur n'y est plus, et les réalités politiques la rattrapent. Le Petit Trianon, comme le hameau, isole un peu plus Marie-Antoinette de la réalité. Ce qu'elle voit par la fenêtre n'est même pas la réalité, mais est le théâtre de la réalité. Et réfugiée au cœur de son domaine, eh bien, il est vrai qu'elle ne voit pas la révolution idéologique du temps, elle ne voit pas les nouvelles idées portées par les hommes des Lumières, et elle n'entend pas le grondement de la capitale qui se rapproche de Versailles. Lorsque les comptes du Trésor sont publiés pour la première fois au milieu des années 1780, les Français sont choqués de découvrir l'énorme déficit qui grève le budget de la couronne.
deficit. Alors qu'elle mène une vie bucolique loin des splendeurs de la cour, Marie-Antoinette devient le bouc émissaire d'une opinion publique qui la considère responsable des aléas financiers de la monarchie. Dans la presse, on la surnomme Madame Déficit. On accuse Marie-Antoinette, non pas de dépenses inconsidérées, mais d'être responsable de l'état de quasi-banqueroute dans lequel se trouve le royaume. Marie-Antoinette commence à réduire le train de vie de sa maison. Les jeux de hasard sont bannis des salons. Elle réduit le train des écuries. Elle renvoie Madame Bertin. Mais ses efforts vont finalement passer inaperçus dans le tumulte général. Et en fait, il est trop tard. Et trop tard, ça va être le mot qui va l'accompagner désormais à chacun de ses efforts. L'indécision du roi aggrave la crise financière. Ses conseillers l'entraînent dans des directions opposées. Le gouvernement plonge dans l'immobilisme. Un vide se forme au sein de la monarchie. Un vide qui va ramener inévitablement Marie-Antoinette au château. La reine a dérogé. C'était ça, la vision que les Français avaient de Marie-Antoinette, c'est qu'elle dérogeait. C'est la reine qui va porter, en fait, toutes les accusations. Elle est devenue la reine martyre, et c'est pour ça que le mythe est né. Parce qu'elle a porté tout sur son dos, beaucoup plus que Louis XVI. Face à l'ampleur de la crise, la reine décide d'agir et pour la première fois, elle se mêle de politique. Elle pousse Louis XVI à rappeler Jacques Necker, l'ancien ministre des Finances, qu'il avait limogé quelques années plus tôt. Une lettre adressée à l'ambassadeur d'Autriche la trouve résignée mais déterminée. Je viens d'écrire 3 lignes à Monsieur Necker pour le faire venir demain ici. Il n'y a plus à hésiter. Si demain, il peut se mettre à la besogne, c'est le mieux. Elle est bien urgente. Je tremble. Passez-moi cette faiblesse de ce que c'est moi qui le fais revenir. Mon sort est de porter malheur. Et si des machinations infernales le font encore manquer, ou qu'il fasse reculer l'autorité du roi, on m'en détestera davantage. Necker ne fera pas de miracle. En mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux, espérant que les 3 ordres de la société se prononceront pour l'égalité de tous devant l'impôt. Mais la révolution est déjà dans tous les esprits. 1 mois après l'ouverture des États généraux, un nouveau drame personnel se conjugue à la crise politique. Dans la nuit du 3 juin 1789, le dauphin Louis-Joseph, âgé de 7 ans, meurt. Marie-Antoinette est dévastée. Louis XVI est incapable pour un temps d'assumer son rôle, mais les députés n'ont aucune empathie pour la douleur du roi. Si une seule fois le roi a pu renier sa parole et rendre visite à l'improviste à la reine dans son domaine, il a peut-être choisi ce moment, le moment où se dessinaient les contours de leur tragique destin.
c'est le dernier jour de Marie-Antoinette à Versailles. Elle ne reverra jamais son refuge secret. 19 ans après son arrivée, elle fait à nouveau face au palais. Elle ne l'a jamais conquis et n'a jamais pu s'en échapper. De sa famille, seule Madame Royale a survécu à la Révolution. Richard Mick fut guillotiné, Rose Bertin partit s'exiler à Londres. Axel de Fersen fut battu à mort par une foule déchaînée en Suède. Et le hameau fut sauvé par le jardinier de la reine, Antoine Richard, loyal jusqu'au bout. Quant à la maison de la reine, elle a attendu durant plus de deux siècles cette rénovation qui lui a enfin rendu sa splendeur d'origine. Ce moment de grâce dans l'histoire de Marie-Antoinette et Versailles, deux destins, comme une histoire sans fin, à jamais liés.